Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Je sais pas vous autres, je vous en souhaite en tout cas, mais moi, des joies d'enfant, j'en manque pas. J'ai grandi sur une ferme laitière où ce qu'on faisait pousser de l'avoine puis du foin, mais on savait aussi cultiver les souvenirs, je pense. On vivait dans une grande maison remplie de portes, des petites, des grandes, des portes de toutes les sortes, des portes de chambre, des portes d'armoire, des portes de garde-robe, des portes de garde-manger. Mais il y en a une porte qui était plus magique que les autres. Puis j'étais pas bien grand que je trouvais le tour de la passer au moins une fois par jour. C'est que voyez-vous, de ce côté-ci de la porte, j'avais un gros chien jaune, un papa, une maman qui m'aimait, qui prenait soin de moi, puis qui me donnait à manger. Mais de l'autre côté de la porte, j'avais en plus un grand-papa, puis une grand-maman qui, eux autres aussi, ils m'aimaient, eux autres aussi, ils prenaient soin de moi, puis eux autres aussi, ils me donnaient à manger. Hey, puis je passais cette porte-là tous les jours sans exception. Mes grands-parents, puis moi, on avait comme un petit rituel. Tu sais, j'étais pas bien grand, mais je savais tourner la poignée, puis ouvrir la porte, puis je traversais, mais je rentrais pas de suite. J'attendais. Puis il y avait toujours un de mes grands-parents qui finissait par dire: Ah oh ben, qui c'est ça? Jocko la galette! Aussitôt, l'autre répondait: Non, 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 c'est pas Jocko ça. Gardez la face, il est bien trop laid. Jocko, il est plus beau que ça. Ça, mes amis, j'appelle ça de la tendresse rurale. Puis j'en ai pas manqué. Mais là, quand je dis que j'ai grandi sur une ferme, là, puis oui, j'ai la barbe blanche, mais faut pas vous imaginer que j'étais dans le temps de Séraphin, là. T'sais, on avait l'électricité, on avait le téléphone, puis on avait la TV, là. Elle était en noir et blanc, la TV, mais c'était pas grave parce que mon grand-père, lui, il était en couleur. Mon grand-père. Grand-papa Elzéar, je ne sais pas combien d'heures par semaine qu'on pouvait se bercer, lui puis moi. Puis il me contait des histoires de petits gens. Il me chantait des chansons. Puis on se berçait. Séraphin en patin, Donaldo en pied de bas, Alexis en taxi, Bilbo en traîneau, Timousse qui pousse la charrue du père Fourchu, Florent qui s'est gelé la grosse orteille en trapin. Mon grand-père connaissait des chansons drôles, connaissait des chansons douces, puis connaissait des chansons tristes. Mon grand-père connaissait des chansons pour toutes les sortes de sentiments qui existent. J'ai de l'amour pour une brune, pour une brune de 20 ans. Oh, qu'elle est jolie, ma douce mie, je l'abandonne, je l'abandonne. J'en ai regret. Fait drôle à dire, mais moi, tout petit, j'ai comme découvert la tendresse puis l'amour des femmes en me berçant aux côtés de mon grand-père. Parlant de femmes, on avait quand même deux beaux spécimens dans notre maison. Il y avait ma petite maman toute pimpante avec ses petits cheveux courts, bouclés, châtains. Puis ma grand-mère, elle avait les cheveux tout blancs, tout blancs, tout blancs, puis ils étaient longs, 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 sauf que ça paraissait pas. Ça paraissait pas parce que ma grand-mère, elle se tournicotait ça comme une brioche à la cannelle, puis elle se piquait ça en arrière de la tête avec des épingles à cheveux. Un chignon qu'elle appelait ça. Brioche à la cannelle. Vous m'entendez un peu parler de bouffe pas mal, mais je sais pas vous autres, mais moi, j'ai bien de mes souvenirs d'enfance qui sont en lien avec la nourriture. Hein. Puis surtout ma grand-mère Odila, c'était la championne internationale des toasts. Oui, monsieur, oui, madame, des toasts. Ma grand-mère avait le don
de prendre une tranche de pain, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, là, une tranche de pain avec le dessus arrondi puis la base carrée. Là. Ma grand-mère te prenait une tranche de pain ordinaire, puis elle t'en faisait une toast extraordinaire. Mais premièrement, ma grand-mère, elle répondait à toutes mes caprices. Cheese whiz, beurre de peanut, maple spread. Des fois, c'était moitié cheese whiz d'un bord, moitié beurre de peanut sur l'autre bord. Des fois, c'était beurre de peanut sur le dessus, cheese whiz par en dessous. Puis on avait notre spécial. Ça, c'était une couche de primer de beurre de peanut avec par-dessus une couche de cheese whiz. C'était délicieusement dégueulasse. Honnêtement, ça prenait une bonne couche de confiture carmélite aux framboises par là-dessus pour que ça soit immangeable. Mais la magie arrivait, le grand moment arrivait, c'est une fois que la toast était bien graissée, ma grand-mère prenait ses petites mains de grand-mère, ses petites mains douces ratatinées, là, mais qui étaient des grosses mains parce que moi, j'étais petit. Là, mais elle prenait l'assiette, puis elle la tournait la tête en bas. Ben, elle tournait l'assiette pour que la toast aille la tête en bas. Puis là, avec son couteau à beurre, elle séparait la partie arrondie pour faire comme une petite demi-lune qu'elle mettait à part. Là, après ça, hey, ma grand-mère n'avait jamais fait de trigonométrie puis de géométrie à petite école. Là. Puis je ne sais pas en quelle année qu'elle avait fini l'école. Mais ma grand-mère, malgré ça, là, elle te prenait le restant carré de la toast, là, puis elle t'alignait un beau 45 degrés pour faire deux beaux triangles qu'elle venait placer dos à dos, juste au-dessus de la petite demi-lune, puis c'est là que ma toast devenait un petit bateau à voile. Moi, j'ai passé ma petite enfance à naviguer sur des océans de cheese whiz à bord d'un voilier au beurre de peanut. Ça, c'est du souvenir. C'était notre gastronomie rurale à nous autres. Hey, mon plus vieux souvenir de Noël. J'étais pas vieux. J'avais 4 ans et demi. 24 décembre 1971. Nous autres, on restait dans les rangs. Fait que pour aller à la messe de minuit, il fallait aller au village. Puis on était dans le Pontiac rose 1964 à mon père. Puis il y avait mon père puis moi en avant. Puis les grands-parents étaient assis en arrière. Parce que là, ma mère, elle venait pas parce que j'avais un petit bébé frère de 6 mois, puis j'avais un autre petit bébé frère dans la bédaine de ma mère, fait que c'était trop fatigant à rester à la maison. Fait que là, on descendait au village, puis en route vers le village, mon père, il me dit, « Je vais te montrer à l'église, il y a une crèche. » Puis la crèche, là, est bien plus grosse que la crèche qu'on a dans notre maison, là. La crèche, est grosse, puis dans la crèche, tu vas voir, il y a un ange que quand tu lui donnes des sous, il dit merci. Hey, là, moi, dans ma petite tête de petit gars de 4 ans et demi, là, moi, je voyais un ange, j'en voyais des effets spéciaux, là. Là, je voyais un ange, grandeur nature, là, grandeur humaine, là, avec ses grandes ailes, puis qui allait flotter au-dessus de la crèche, puis ça allait briller, tout ça, puis hey, que ça allait être beau, puis que j'avais hâte de voir ça. Bien, une fois rendu dans l'église, on est allé jusqu'au fond. Mon père, il me place devant la crèche. Là, moi, je cherche l'ange. Mon père, il me dit, là. L'ange, c'était une statue en plâtre à peu près ce dos. Bonjour, la conversation avec l'au-delà. Parce que là, moi, je me disais, si l'ange il est capable de dire merci, bien, il va peut-être me dire bonjour. Il va peut-être me dire joyeux Noël, Jaco. Il va peut-être parler avec moi. Mais non, c'est une statue en plâtre. Bien, c'était une belle statue quand même, avec les ailes, puis les dorures. Puis c'était, l'ange, il tenait un sac de pièces d'or, puis là, il y avait une fente pour mettre des sous. C'était une tirelire. L'ange magique que je m'étais imaginé, avec qui j'allais jaser, c'était une tirelire. Bien, une belle tirelire, mais là, bon, là, on était là, puis moi, je voulais vivre l'expérience jusqu'au bout. Fait que je me tourne vers mon père, bien, ah oui, donne-moi des sous. Mon père, il me donne 5 cents, un petit castor. Fait que là, moi, je mets mon 5 cents dans la fente de la tirelire. Schling, bling, pouf! Rien. Ben là, papa, alors donne-moi les sous. Ben, mon père, il me redonne 10 cents, un petit bateau. Fait que là, ben, je prends mon 10 cents, puis je le mets dans la fente de la tirelire. Schling, bling, pouf! Rien. Le Moses d'ange, non seulement, il ne me parlerait pas, mais il ne voulait même pas me dire merci. Parce que voyez-vous, la tirelire est à fait que quand tu mets ta scène
d'enfant, ben, elle glisse, elle descend, puis elle accroche un petit levier qui fait pencher la tête de l'ange. Puis c'est comme ça que l'ange lui dit merci. Mais là, il faisait rien. Fait que là, mon père, là, moi, je me reviens, bien ouais, papa, donne-moi des sous. Là, mon père, il voulait pas passer son porte-monnaie au complet là-dedans. Fait que, il dit, ben, peut-être qu'il est brisé. Là, mon père, il voulait me contenter. Fait qu'il prend sa grosse, grosse main de cultivateur avec son gros, gros doigt, puis il donne une toute petite pichenote en arrière de la tête de l'ange. L'ange, qu'est-ce qu'il fait? Merci! Bon, OK. Je t'ai pas tout à fait assez contenté. Tu sais, il dit ça à l'église, par lui, avec lui. Moi, je voulais que l'ange me dise merci à moi, pas à mon père. Par moi, avec moi, puis en moi. Fait que là, je prends ma petite main de 4 ans et demi, puis à chaque claque en arrière de la tête de l'ange. Oh! Ploc, 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 ploc. Oh! J'avais encore plus brisé l'ange qui était déjà brisé. Oh! Ça allait pas bien, là. Là, ben, je vais me faire chicaner, monsieur le curé, avec sa grande robe, avec des garnitures dorées dessus, il sera pas content. Et là, mon père, gêné, il ramasse la tête, puis il la replace dans le trou entre les deux épaules, puis il me prend par la main, puis ouais, viens-t'en, tu sais, on s'en va s'asseoir à notre place. Fait que là, moi, j'avais peur d'entendre monsieur le curé qui parlait à son micro, puis qu'il allait me chicaner, Jaco, t'as brisé l'ange, puis. Mais non! Au lieu de ça, qu'est-ce que j'entends? J'entends monsieur Adrien Auger, qui était notre voisin, un grand monsieur carré comme un frigidaire avec une grosse voix. Monsieur Adrien Auger, il avait assisté à mon exploit de faire voler la tête. Puis là, il n'était pas capable de s'empêcher de rire. Ça faisait de l'écho dans l'église! Non, non, puis là, hey, monsieur Adrien, faut faire le silence dans l'église, là. On va se faire chicaner ben trop! Monsieur Adrien, il n'était pas capable de s'empêcher de rire. Là, nous autres, on marchait pour s'en retourner à notre place. Puis là, ben, on allait passer devant tous les adultes là, pour se rendre jusqu'au fond dans notre banc. Puis là, moi, j'étais certain que les adultes, ils allaient me chicaner. Ils allaient dire « C'est lui! Regarde, c'est lui, le petit garçon méchant qui a brisé l'ange! » Ben non. Au lieu de ça, les gens qu'on croisait, ils souriaient. Il y en a même qui riaient. Moi, je comprenais plus rien. Puis là, j'étais certain que M. le curé, il allait être fâché et qu'il allait se mettre à me crier après, mais non! Au lieu de ça, qu'est-ce que j'entends? Une petite musique douce qui part. On s'assoit dans notre banc. Là, il y a un monsieur qui se met à chanter fort, 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 le peuple à genoux! Puis là, ben, M. le curé, il vient parler dans son micro, puis pas une fois, il a dit au monde de me chicaner parce que j'avais brisé l'ange. Je ne sais pas si c'est parce que je l'échappais belle ou si c'est la magie de Noël, là. Mais encore aujourd'hui, je la rentends, la petite musique, avec les soubresauts du rire de M. Adrien. Puis ça reste un de mes plus marquants, un de mes plus beaux, mais un de mes plus bizarres souvenirs de Noël de mon enfance. Joyeuse fête, tout le monde! Séraphin en patin, Donaldo en pied de bois, Alexis en taxi, Bilbo en traîneau, Timousse qui pousse la charrue du père Fourchu.